Salut YouTube, bienvenue. J'espère que tu vas toujours bien. On est dans l'ascension de l'immeuble troué où il y aurait des passerelles pour atteindre l'hôpital plus rapidement. On a appris particulièrement que Lev était un rebelle parce qu'il avait transitionné en gros. Son dead name était Lily. Et les séraphites qui nous attaquent, bah arrête pas de dire ça. T'aurais dû rester avec nous, Lily, t'aurais pas dû faire ça! Ça souffle par ici. Attends, c'est quoi ce truc? C'est la passerelle! Lève! Suis-moi! Putain! Ça risque rien! Si je vais y arriver. C'est plus facile que ça en a l'air. On rappelle que Abby a un vertige très prononcé. Les gens passent souvent par là? Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Oh putain. Évite juste de regarder en bas. Bordel. Je vais regarder en bas. Comment tu te sens? Mal. Je peux te dire que je l'attends. Ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Quoi? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance! Dis donc, Lev! Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai réussi! Allez, viens! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Amène-toi, t'as mérité un câlin. Je crois que tu vas bientôt changer d'avis. Il y en a d'autres, des passerelles, non? Oh, putain, lève! Tout va bien se passer. Regarde-moi. Putain. Comment tu fais pour pas avoir peur? Et me parle pas de la prophétesse. J'ai jamais eu peur du vide. T'as peur de quoi alors? De l'océan. Des chiens. Oh, c'est bien. Tu y es presque. J'y arriverai pas. Mais si, tu vas y arriver. Je te dis que non. Si, tu peux. Allez, la véritable force. La véritable force. La véritable... Tu peux y arriver. Tout doucement. Presque. Ok. Ok. Allez! J'ai la tête qui tourne! Merde! Non, oh, tiens bon! Remonte-moi! Remonte-moi! Oh.
Tu es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est bon. Tout va bien. Par où maintenant? Je sais pas. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par. On n'était pas censé tomber dans la piscine, Abby. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Bien. Merci Mia pour ton resub. On l'a pas entendu parce qu'on était en full screen. Je me souvenais pas qu'elle tombait non plus. Hein. Bonjour Clémence, bienvenue. Bah t'as l'air de connaître le jeu, donc tu sais qu'on est quand même pas... On n'est pas au début, hein. Moi, je le connais aussi. On l'a fait en normal à sa sortie. Là, on le refait en survivant. Et il y a des gens qui découvrent dans le chat. Donc, on est en mode no spoil quand même. Mais bon... Les oreilles qui sifflent. Ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin... de faire quelque chose de bien. Ah, je reconnais ça, c'est là où ils sont tournés... Martine... La Disco Beach, je sais plus ce que c'était. Wi-Fi gratuit pour les clients de l'hôtel, mot de passe 1, 2, 1, 8, 7, 9. Pourcentage que ce soit un code de coffre-fort. Aero Beach, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah non, mais c'est ça que j'ai eu. Attends, non, non. Faudrait que je la revoie à cette vidéo de Martine. Oh, tiens. Un coffre. Tiens, tiens, tiens. J'ai déjà oublié le code. 12 18 79. Ça se confirme. Ok, il y a plein de pilules. Amélioration. On est à... Ah non, on est à 39. On voulait pas prendre le tuage de gens en mode rapide. Il n'y avait pas ça. Ou c'était avec Ellie, peut-être. Ennemi saisi, vitesse de déplacement à terre. Durée de l'élan. Bon, ça devait être avec Ellie.
Arme au corps à corps améliorée, ce serait quand même pas mal, hein, parce qu'on les utilise beaucoup aussi. Plus 1 de durabilité. On va peut-être économiser encore quelques pilules. Là, il y a des escaliers, mais... Et pour les oreilles ? Amélioration des oreilles. Mais on a amélioré déjà. Mais la vitesse de déplacement en même temps qu'utiliser le mode écoute, est-ce que c'est vraiment bien ? Merci de ne pas laisser vos objets de valeur traîner pendant votre service. Il y a un coffre dans le placard d'entretien du hall. Le code est le même que le Wi-Fi. Merci encore, Mia. Je sors de l'ombre, je suis restée discrète. Vous avez le droit d'être dans l'ombre. Les lurkers et les lurkeuses sont les bienvenus. N'hésitez pas, si vous êtes un lurker ou une lurkeuse, là, à dire bonjour, à mettre une émote. Ah, voici la pilule qu'on attendait. Allez, arme de corps à corps améliorée. Regarde YouTube. Regarde les lurkers et les lurkeuses. Et elles sont là. Retenez leur nom. Oh là là, il y a même des gens qui ont jamais écrit Kouyani. Je sais pas si on prononce comme ça, mais ça me fait rire. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'eau. C'est la première qui m'est venue en tête. Bonjour Fenniz. Silsi. Non, regarde les vêtements. Cinabre. C'est peut-être pour ça que cette personne ne parle pas. désolé. Si ça t'a pas plu, tu peux le dire. Et je le ferai plus. Ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Seb, Victor et Irina sont morts. Avery et Mali ont disparu. Et j'ai été mordu. Le nid était plus gros qu'on le croyait. J'ai essayé de tout faire sauter, mais ces putains de détonateurs n'ont pas marché. Finalement, c'est l'incompétence de cette connerie de Fedra qui aurait eu ma peau. Lev, il y a des infectés dans ce bâtiment ? Alors non, c'est pas comme ça. Mais j'ai l'habitude. J'en sais rien. Désolé. J'ai suivi mon instinct primaire de faire des grosses blagues lourdes. Je leur surtout parce que je somnole. Bonjour à toutes celles et ceux qui ont dit leur premier message suite à cet appel. Vous pouvez parler, hein. Vous avez le droit aussi. Hein. Bon, vous pouvez être ban, c'est vrai, ça arrive. Des sports. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances ? Merci Mia. On a dû s'enfuir. Kouyani, sans doubler les lettres. D'accord. Reste ici. Recule. Encore.
tu meurs, je serai coincée ici. Prie pour que je m'en sorte, alors. J'ai enfin rattrapé mon retard, c'est bizarre de t'entendre en vitesse normale. Tu veux, je parle très très vite. Bon, un masque. Faut que je trouve un masque. Bon, faut trouver un masque pour Lev. Je me suis toujours dit... En fait, le coup des sports, c'est la merde. Parce que là, on est avec le masque, blablabla. Mais en fait, on en a quand même plein les cheveux, plein les vêtements. Et du coup, après, quand tu ressors... Tu vas forcément respirer. Il y a deux passages là, j'aime pas ça. Peut-être la quantité, ouais. Bon, après on est dans un jeu, hein, on va pas... Faut pas que tout soit 100% cohérent. Quand on parle cette fois, bah, je disais que les spores, on en avait forcément dans les cheveux et sur les vêtements. Donc dès que tu quittes la zone, tu vas quand même en avoir un peu partout et tu vas en respirer. Merde. Toi, reste là-haut, ok? Ok. Ah non. Tue-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Connard. Putain, ça craint. Mettez-vous en mode, il va probablement y avoir un screamer dans pas longtemps. Les chiottes! Ah non, 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 pas se cacher dans les murs, là. La mort, ce masque. Bon, j'arrive, Lev. Ok, clairement, s'il faut faire demi-tour, vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous n'avez pas peur, puisque lui va se réveiller. Les mecs qui étaient enfermés dans la pièce, ils vont sortir. Est-ce que je tire une flèche? J'ai tiré, j'ai cassé.
voir, tu vas voir. Tu vas voir le jeu. Tu me prends pour un jambon. Tiens, hop là. J'ai récupéré ma flèche. Tu vas faire quoi, là? Tu vas faire quoi? Lui ne se réveille pas. Oh putain. J'ai voulu économiser. On peut aller dans la pièce d'où ils viennent, du coup. Ça, ça craint. Ça va ? Ça va pas du tout, ça. Ah! J'aurais voulu qu'ils se regroupent. Merci, Chagarou. En vrai, tentative de technique. Voici une technique. C'était une technique. Le retour du prime. Brioche Wildheart, Brioche Wildheart. Merci Aya. Ugh!
Faut que j'arrête de tirer à l'arbalète. Ils bougent trop vite, ils sont saouls. C'est bon. J'espère que c'est bon. Ok. Donc ils étaient planqués ici. Et il y avait rien. Il n'y avait pas une petite surprise, tu vas me dire? Rien. Ah! J'ai eu peur. C'est dommage d'avoir perdu un carreau. On joue pilule, toujours. Merde, 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 merde. Merci, Phila. Tiens, c'est cadeau. Alors, tu t'es occupé des cocottes? Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. On a ramené de la poulette. Ça va aller. Vous étiez sur quoi, là? J'ai vu que vous jouez ensemble, mais j'ai pas vu le jeu. C'était Stardew Valley, peut-être? Ou du Minecraft, si ça ramène de la cocotte? T'as vu par où descendre? Non. Stardew Valley, ok. Pourquoi on est là? On va à l'hôpital pour chercher des outils pour aider Yara qui a son bras cassé. Et... Mais genre, salut, ça la rend malade, tu vois. Lev, viens descendre ça. Genre, elle va mourir, faut qu'on lui coupe le bras. Et Lev connaissait un raccourci pour aller à l'hôpital. Il y a des sales bruits quand même, hein. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Du calme. Allez. On peut pas monter avant? Non. Apparemment, il y a une baleine zombie, ouais. Soit courte que je sais pas que le Kinder soit fourré. Bref, Avery, l'hôpital, non, l'hôtel Black Ray. L'hôtel Black Ray. Beaucoup de blagues viennent à moi. Renferme un grand groupe d'infectés. Probablement ceux qui sont sortis de l'hôpital. Toi et ton groupe allez devoir faire sauter les fondations de l'intérieur. Utilisez des explosifs et détonateurs qu'on vous a fournis. Bonne chance. Que le bueno ne soit pas le dernier. Que la brise soit fraîche. A plus, Mac. Bon, il y a l'air d'y avoir une grosse bestiole en bas, en tout cas.
Ah, je crois que c'était une porte. On se prépare mentalement. Voilà, bah j'allais vous le dire, on se prépare mentalement à l'idée que un connard dans un mur se réveille à notre passage. Ça va forcément arriver. Ah, bah voilà, c'est arrivé. Je me suis préparé mentalement. Je me suis préparé. Jeu de connard. Putain. On s'est fait bait par les munes. Ah ouais! Ah, parce que c'était pas sa tête! En fait, c'est normal, c'était pas sa tête. Mais elle est où la tête? Moi, je veux bien le tuer avant, mais. Attends, t'as pas pris la mune? Ah, elle est là. Ce truc était en train de grossir dans le mur. Waouh. Je déteste les démons. Sous vos yeux, la Black Ray. Refroidissez-les. Caché de la lune. Ça va pas être le dernier à nous faire cette blague. Bel endroit, lumineux, vue sur la nature. Belle hauteur sous plafond. Il est mort, mais... Oh, bordel. Lev, je suis trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Même si on est coincé avec tous ces démons. C'était de l'humour. Ah, il est...
Il est énergique. Lev. J'ai utilisé un surin par contre avec vos histoires. Il n'y avait pas d'autre truc. Ah non, c'est bloqué. Tiens. Introducing le lance-flamme. C'est une blague, ça? Ça, c'est une blague? Oh! J'ai pas aimé cette blague. En plus, ça revient super loin derrière. Ah non, je n'aime pas ça, le jeu. C'est hors de question. Non, c'est bon, on a quand même tout tué. Jeu de merde. Lev, je suis trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Même si on est coincé avec tous ces démons. C'était de l'humour. Oh. Oui, mais ça, tu l'as déjà dit. Du coup, lance-flamme, il n'y a quand même pas beaucoup de mun. Il va falloir encore une fois économiser pour l'améliorer. C'est quoi la route? Ah mais c'est là en fait. Voir un truc. Attention au mur. Chose. Non. Et toi? Non. Bien, on repart alors. Il y avait un truc qui a bougé, on est d'accord? Ok, d'accord. Très bien, très bien.
J'ai cru qu'il y en avait d'autres. Efficace, ouais. Lance-flamme plutôt efficace. Peut-être trop, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pu ne pas utiliser la bombe. Surtout qu'il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est que ce zouf ? En plus, oui, regarde, on pouvait ne rien faire en fait. Il n'y avait rien. C'est bizarre ça. Où est la tête? C'est ça la tête? Plus haut? Je vois rien moi. Ça là? La tache rouge. Bien vu. Lev, je le déteste cet immeuble. Continue à descendre, on est presque au niveau de la rue. Vous avez l'œil. Moi, j'ai pas l'œil. Ah, si, j'ai l'œil. Oula. C'est bien grand comme zone. Saute dessus. Ouais, j'ai ruiné la lampe. Écoute, j'ai niqué l'abat-jour. Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux. C'est vrai qu'Isaac a éliminé ceux qui commandaient avant. La Fedra, ouais. Il paraît qu'il torture les gens. C'est pas le moment de parler de ça. Toi, t'as déjà torturé quelqu'un? Lève. Occupe-toi plutôt de trouver une issue. Celui-là, il était bel et bien sec. Ça veut dire oui, ouais, si tu réponds pas. Car on ne clique pas que des fails. Sec et énorme. Ouf.
peut-être un petit passage pilule ? Santé améliorée ? Ou bien vitesse d'écoute en mode déplacement ? Ou bien augmente la vitesse d'utilisation du kit de soins ? Confection de munitions de pistolet ? Tuyau explosif amélioré, rayon d'action. Je sais pas, moi, le mode écoute, la vitesse de déplacement en mode écoute, tu vois, je suis pas... Je suis pas emballé. Je vais prendre ça, les tuyaux explosifs améliorés, into silencieux amélioré, into tuyaux explosifs supplémentaires. Cette branche me paraît pas mal. Isto. Sinon, sinon on crame tout. Il faudrait rendre la flèche, monsieur. Merci. Putain, qu'est-ce qu'ils ont à pointer du cul à chaque fois qu'on les... Quoi ? Putain. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Y'a pas de soucis, on se fera avoir une seule fois, je les avais oubliés. Et le carreau qui a cassé, super. Distrait par le huc, exactement. Qui ne le serait pas? Et j'ai vu du coup, tu me disais, je te conseille de garder les munitions de lance-flammes. Attention! Ne faites pas ce genre de conseil, s'il vous plaît, ça... C'est du backseat. N'en faites pas. Lui aussi, il va se réveiller, là. Est-ce qu'il se réveille, même si... Ouais, lève, t'as un arc, non? Vas-y, balance là-dessus, là. Bon, on essaye, hein, puis on verra bien. Après, on n'est pas forcé de tuer tout le monde, hein.
On a eu de la chance là. Mais ça se trouve, il garde quelque chose de rare. Ça ira. Ça ira. Allez, ciao. Non, je pense que c'est mieux comme ça. On allait peut-être trouver quelques pilules et quelques écrous. Je pense que c'est mieux comme ça. Déjà qu'on a utilisé beaucoup de carreaux. Un sur un. Qu'est-ce que c'est ? Une pièce. Une pièce de quoi ? Quoi ? Tu peux retirer ton masque. Merci. Je crois qu'il y avait une brique. Ah, ça fait du bien de sortir de cet immeuble des enfers. L'élévateur juste là. Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Ouais, merci de me le dire, ouais. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ara s'inquiète. T'es cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu regrettes de t'être rasé la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lev. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle? C'est notre mère. C'est notre devoir. Mettre la madre, la mama à l'abri. Bon, ça, c'est un bon gamin. Puisse-t-elle te quitter? Il a 13 ans, je crois, il avait dit. Salut Toshi. Et il y a Yanis tout à l'heure, j'ai pas dit bonjour. Il n'y a plus d'eau. Retour des humains. Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce
voudraient te faire la peau. Moi, y'a qu'au backgammon que je suis une menace pour eux. Le backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Ouais, mais c'est des wolves, du coup, nous, on y va pépouze, genre... Hey, salut, c'est Abby. Où sont les scies à... pour couper les os, tu sais? Jamais il reste ici. Alors, j'ai oublié ce qui allait se passer. Mais je me dis que peut-être... on va avoir des ennuis et il va nous sauver. Et il aura bien fait de pas rester. On y va comme ça. Salut, tu vas bien? Où est la tronçonneuse? Je te remercie. T'as des bandages et des antibiotiques aussi? Super, merci beaucoup. Ne tirez pas! C'est Abby! Y'a quelqu'un dans l'eau! Je suis une wolf! Tirez pas! C'est moi! Abby! Abby? C'est Abby, merde! Elle est seule? Ouvre le portail! Salut les gars! Ah ben, je t'ai venu à la nage? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer de nouvelles recrues? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Il a buté Dany? S'il a de la chance, les Scars le trouveront d'abord. Quel putain de traître. Salut les gars. Non. Abby, t'es au courant pour Dany? J'ai entendu des rumeurs. Vous les répétez pas, j'espère? Non. C'est Owen. Continuez comme ça. Je sais pas si vous, reconnaissez la zone, hein, mais on est venu avec Ellie. Oh, les dogos qu'on a tués avec Ellie. Salut, Grizzly. T'as fait venir jusqu'ici aussi. T'es un bon chien. Salut, Plouche. Bonjour, Abby. Salut. J'avoue, t'aurais pu dire bonjour à l'humaine avant le chien. Ça fait quand même... ça fait un peu mauvais genre. La zone du bâtiment d'avant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je crois pas. Mais en vrai, peut-être. Ah, voilà. On peut piquer des trucs. Si on peut piquer des trucs, laisse-moi faire le tour. T'as quoi ici? Attel, Abeslang, bassin de lit. T'as du matos chirurgical? J'ai vu ce genre de matos à l'intérieur il y a longtemps. Merci. Abeslang. Dis donc! Tu peux attendre ton tour, toi? J'ai un truc pour toi. D'accord. Ce blocage d'échelle. Moi aussi, j'ai cru que c'était un cadavre, genre posé là. Merde, on a oublié de ranger le cadavre de Jocelyne. Merde.
Cédric. Ça doit sentir bon là. Vous n'avez pas encore fini? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. Spoiler alerte, le sous-sol... pas bon. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Ça va pas traîner, hein. D'où lève. Je vous l'avais dit. Alors que je m'en souviens pas. Mais bon, c'est pas grave. Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Laura. Eh ben... Je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... Ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Salut, Floufli. Je vais sortir avec un médecin. Et comment va Mel? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé? Non. Laura? Vous allez où tous les deux? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va? Comme d'hab. Manis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura? Une seconde. Oui, elle croit que c'est Owen qui a le... Qui a le bras pété, hein. C'est ça? Y'a personne. Alors... Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. La rumeur de... Ouais. Des Lucioles. À Santa Barbara. Okay. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Au pire, trouve les ambulances. Normalement, elles sont équipées. J'ai déjà trouvé du matos. Bonne idée. Les premiers cas. Ils vont être bien évolués.
Que ta vie soit longue. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Didier Raoult. Bon. Ta mort sera lente, Nora. Accent circonflexe, accent circonflexe, je peux pas rester, mais bonjour quand même. Merci Danaël, merci pour ces 2 ans de sub, tu as une baleine violette maintenant. Merci beaucoup. C'est Yabri, ouais, je suis dedans. C'est moi le patient zéro. On lui a pas souhaité une mort rapide, ouais. On fait une pause pour YouTube avant d'attaquer les bas-fonds de l'hôpital parce que ça a l'air très très sympa. YouTube, merci d'avoir regardé cette partie. Nous t'embrassons goulûment. Avec beaucoup de salive. À bientôt. Et n'hésite pas, si tu as des théories, toi qui connais pas le jeu, hein. Si tu connais le jeu, tu dis rien. Voilà. À bientôt.